Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui il fait beau, les oiseaux chantent, le ciel est bleu, c'est magnifique. Je vous fais un petit peu le bilan du Hackintosh, comme vous le savez. Donc hier je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer que je comptais faire un Hackintosh, à savoir mettre Mac OS X dans une machine PC qui n'est pas prévue pour le recevoir, dans tous les cas dans une machine non siglée Apple. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Ma carte mère était une carte mère prévue pour de l'AMD, mon pros étant de l'AMD, en gros c'est une carte mère qui n'est pas du tout compatible avec les systèmes Hackintosh. Donc les systèmes Hackintosh, pas Macintosh, même si avec la liaison on pouvait se tromper, tout simplement car lors du script, de l'exécution du script de démarrage en mode verbose, j'ai pu voir que j'avais un problème avec mes ports SATA. Une fois le problème des ports SATA réglé, j'ai eu un problème avec ma mémoire RAM qui n'était pas reconnue. Donc je me suis dit on va arrêter les frais, et au lieu de se casser les... comment dire un truc poliment, de se casser les couilles, je sais pas quoi dire. Au lieu de s'emmerder donc à chercher une solution, etc., à tout recraquer manuellement, j'ai préféré renoncer et me dire j'achèterai une nouvelle carte mère bien optimisée, prévue pour la chose, avec un proso Intel prévu pour la chose, histoire d'avoir un Mac absolument fonctionnel. Bilan des opérations. Donc, puisque je dois changer du matériel, la nouvelle carte mère est estimée à 45-50 €. On va compter les frais de port et revenir au supérieur, comme ça on s'emmerde pas. Carte mère à 50 €. C'est une gigabit. Je vous mettrai les liens quand je ferai le Hackintosh. Je vous mettrai les liens de ce que je vais mettre. Donc, carte mère gigabit 50 €. Un proso Intel Core Duo cadencé à 2.5, je crois, avec un bus frontal à 800 MHz. C'est pas énorme, mais ça suffit. Lui je crois qu'il coûte dans les 65-70 € dirons-nous. Donc on est à 130-120, et à ça il faut rajouter une carte graphique, puisque la carte graphique qu'il y a sur la carte mère n'est pas reconnue. On ajoute à nouveau 30 €, on s'en sort grosso modo à 150 € de matos pour avoir un Mac, attention, qui fonctionnera avec toutes les mises à jour, c'est-à-dire une installation retail qui fonctionnera donc pour toutes les mises à jour par le menu pomme d'Apple. On peut installer toutes les applications, c'est comme si on avait un vrai Mac en fait, il n'y a strictement plus aucun problème. Si on veut vraiment faire les trucs comme un gros guerrier, j'ai regardé un petit processeur qui me fait assez plaisir, qui peut être overclockable à 4 GHz avec un bus frontal à 1333 MHz, c'est colossal. Qui lui coûte dans les 170 €. Par contre là c'est pas du tout la même somme. Donc ce que je pense faire dans un premier temps, c'est faire la config que je vous ai annoncé précédemment, et entre nous ça suffira très largement je pense, puisque justement le but du serveur c'est qu'il peut tourner non-stop. Donc je fous une galette à ripper ou un encodage à faire, et ça tourne toute la nuit, c'est pas le problème, ça consomme pas trop. Donc dans un premier temps faire cette config, et puis si jamais je me dis bon ben je veux réellement une machine entre un iMac et un Mac Pro en termes de puissance, je changerai pour passer sur ce gros processeur, mais entre nous ça semble pas forcément utile. Donc pour vous donner une idée de ce que coûte un Hackintosh, maintenant que c'est un peu plus précis dans ma tête aussi, on a concrètement un boîtier. Donc il vous faut un boîtier qui soit silencieux, entre guillemets esthétique, puisque bon c'est quand même pas fait pour être un truc complètement dégueulasse, qui ventile bien, qui soit accessible, donc basiquement le mien ou la gamme au-dessus, la gamme Sonata qui est encore mieux branlée. Boîtier 110 ou 120 €. Ensuite on a donc la carte mère, processeur, carte graphique, on a dit qu'on s'en sortait aux alentours, je sais plus, des 150 €. Donc on a 120 plus 150, on fait 270 €. Que quelqu'un prenne sa calculatrice à côté pour vérifier. 270 €, manque la RAM, là actuellement j'ai que 2 Go, toujours pareil, après je ferai un upgrade à 4 Go en fonction de comment se comporte l'ordinateur, ça me semble être un minimum. Donc on est à 250, si j'ai pas dit de conneries, on a 250 plus de la RAM 30 €, on passe à 250 plus 30, 280. Et je n'oublie rien, un disque dur 1,5 TB, allez soyons fous, en 7200 tours Seagate, ça coûte 120-130 €, on dira 130, à moins de 400 €, vous avez une machine de course. Rajoutez un écran, comme celui que j'ai actuellement, qui est là, boum, écran Full HD en 22 pouces, puisqu'en 24 pour moi c'est trop grand, clavier souris 100 €, allez 150, vous sortez avec une machine entre l'iMac et le Mac Pro pour moins
moins de 600 euros. Si on refait les comptes, je pense que je ne me suis pas trop chié. À moins de 600 euros, voilà, vous avez une machine absolument complète que vous pouvez modifier, rajouter de la RAM, changer le CPU, rajouter des disques durs. Vous pouvez mettre après autant de disques que vous voulez, etc. C'est là, à mon sens, tout le gros intérêt du Hackintosh. Donc, je ne sais pas si pour le moment mes finances me permettront, je regarde un petit peu, d'évoluer directement vers un Hackintosh, ou si j'attends un petit peu, je reste à ma config actuelle sous Linux, et le Hackintosh viendra le mois prochain ou dans 2 mois. En fonction de ce que mon banquier me dira. Voilà, c'était Locan pour locan.fr. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, avec le soleil qui fait, je vais aller claquer un basket. Ciao, ciao!